Sinon, voyez que ma maison, elle a d'un seul coup disparu. Oui! Ils sont que deux, c'est merveilleux. Oh là là, regardez, la cagnotte est déjà montée à 216 000. 281 000! Alors, mon petit Victor, est-ce que tu vieillis dans combien de temps? Oh, 3 jours, c'est long, 3 jours. Hein. Lily, elle va déjà devenir vieille avant. Hein. Pas grave, moi, ça me... Alors, qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, ça me rappelle, c'est l'appartement qu'on avait eu à faire avec Kurt. Bon, il est pas ouf, mais c'est facile. Il sera... après, à mon avis, on va pas récolter beaucoup de thunes. Hein. Il y a une belle vue, une belle luminosité... Oh, pas se plaindre. Eh mais, j'ai envie d'un thé sakura. Et si on allait prendre ensemble au festival de l'amour? Est-ce qu'on va au festival de l'amour? Est-ce qu'on pourrait peut-être voir un des plénosas qu'on pourra draguer librement? Parce que là, chez les Feng, on a dragué personne. On va les laisser, on va juste les fatiguer avant l'heure, quoi. On va draguer les plénosas, soleil, la madré. On va essayer de casser son couple. Ensuite, on les tue un à un pour récupérer la maison. Oh, Vladdy! Alors, on va devenir papa? C'est trop mignon, festival de l'amour. Ah, on va aller voir le gourou. Se renseigner sur son destin romantique. Les vibrations montrent une personne inconnue, grande et mystérieuse dans votre futur proche. Ah, bah dis donc. Génial. Où sont les plénosas? Nancy, où es-tu? Pas de Nancy, hein. Ah non, c'est Clara. À chaque fois, je les confonds, les deux, c'est pour ça. J'ai cru que c'était Nancy, j'étais là. Ah mon dieu, ça y est, elle est là. Mais même pas. Un homme sage a dit un jour, qu'est-ce que l'amour? L'amour fait souffrir, l'amour est l'amour. Alors, aimez. Et voilà, c'est sur cette parole sage du gourou de l'amour que nous allons nous quitter ce soir. J'espère en tout cas que vous aurez tout le temps de réfléchir à cette phrase. Et aimez-vous les uns les autres. Bon, non, je rigole. Eh. Qu'est-ce qu'on se marre? Elle est toujours pas là, Clara. Je sais ce que je dois faire, je vais l'appeler. L'appeler. Oh, Nancy, elle est vieille! Génial! Ce sera plus simple pour la tuer encore une fois. Ouais, bah tu la rappelles. 23h05, elle va dire: ah, mais je dors, hein! C'est contre nature, hein! Se pointe pas, hein? Cagole des prés. Oh! Oh my god! On peut pas lui donner à manger comme à l'autre? Vas-y, va te présenter. Mais non, mais arrête de gueuler comme une. Dis que tu es une pote d'Olivia. Mais dis que tu connais bien Olivia. Ah, Judith, c'est pas Ward, c'est Bernard. Mais moi, je voulais lui donner un ananas comme Olivia. Ça ne marche pas avec tout le monde. Hein. Olivia, elle aimait bien les ananas, je pense que c'est pour ça. Et où est Nancy? Nancy ne vient pas. Tant pis. Nancy est là. Oui, ça rapporte du pognon en plus. On n'a pas de touche avec la Judith, mais c'est pas grave. En habitant avec notre amie Olivia, ça sera mieux. On va raconter des ragales. On va complimenter la tenue parce que elle est magnifique, hein. Oh la sale vieille. On va raconter une blague salace. Décrire le rêve coquin sur Nancy. Ça va, elle va, elle, dans sa vieille peau de vieille, toute fripée, sèche, elle fera: comment ça, une belle jeune femme a rêvé de moi? C'est rigolo, c'est exotique, je n'ai jamais pensé qu'un jour... Tu fais quoi, en fait, comme taf? Tu vois des photos de moi nu? Pardon, enfin de... Je parle à la place de Maze, évidemment, hein. Ne croyez pas que... Voilà. Tiens. Attendez, on a Ken avec lui? Non. Ah mais non, c'était Marco. Paolo. Marco. Marco Paolo. Marco Polo. Oui, bien sûr. Hein. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe, tous ces gens-là? Casse-toi, hein. On veut pas te parler. Draguer. Juste régler un peu. Juste un tout petit peu pour que ça les moustille dans sa vieille culotte. Qu'elle fasse trembler la dentelle. Vous voyez ce que je veux dire? Pas Agnès, hein. Oh! Mon Dieu! Le sac en papier. Mais il y a trop de monde qui arrive, là. Faut arriver à quelle heure, là? 4h du matin pour qu'il y ait du monde? Bah alors, mec. Oh, c'est Bob! Qu'est-ce qu'il fait à regarder le mur aussi intensément, lui? Il a un problème, hein? Ils sont chelous, ces Sims, quand même. Elle est où? Mais t'allais pas draguer lui? Elle est en roue libre. Il se fait quelle heure? Tu vas rentrer. Je sais plus où on habite, moi, du coup. C'était pas là? Flèche. Ah non, c'est là. Peng. C'est parti. On va les faire vieillir, hein? C'est pas comme si on trichait, en vrai. Dans un jour et lui dans deux. Ah, regardez, ils sont tous émoustillés, là. Ils ont qu'une envie, c'est d'aller consommer leur amour. Est-ce que vous avez une douche? C'est riche, là, et ils ont même pas de douche.
pas de pas, alors pas de pas de placard, pas de douche et une seule chambre. Il y a une douche à l'étage? Ah oui, je ne l'avais point vu. Allez hop. Oh là là. Pendant que eux, ils seront vieux et qu'ils iront. Ah, elle, elle ira se prendre un bain de mousse. Alors c'est elle qui est son anniversaire en prums. Tu vas souffler les bougies. Tu vas devenir une vieille pipi. Happy birthday, Lily! Ah, la vieillesse! Que c'est triste. Elle est contente. Oh, boum! Ouais, c'est ce qui va faire ton cœur quand tu niqueras un peu trop. Et hop là! Allez! Wouhou! Crac-crac avec Victor! Crac-crac avec Lily! Oh là là, c'est beau. Mais va aller voir Baise aussi! Mais t'es con! Mais sors de là! Bah sors de la chambre, Jeannette! Tu compliques tout, hein. Et après, tu te prends un bain de mousse, tranquille. Pendant que là, les vieux, ils s'excitent. En fait, enfin, ils s'excitent. Oui. Ils découvrent une nouvelle... un nouveau côté de leur sexualité qui s'est dit... Ah, mais je pensais pas que ça serait aussi bien qu'on était vieux. Oh, le Viagra, chérie. Le Viagra. Bon, bah, ils sont pas fatigués, hein. Pas grave, il y a un tapis de course à côté. Si ça, ça marche pas. Mais je crois que... Ah, c'était nul. En plus, Victor, il a pas assuré, quoi. Il est pas fatigué, hein. Oh là là. Allez. Soyez fous, mes petits vieux. Tuez-vous l'un l'autre dans les bras l'un l'autre. Mourez, tous ensemble. Se plaindre d'une activité fatigante. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Et elle, s'éclate. Allez, un dernier crac-cracouille. Et encore, elle est pas fatiguée, hein. Bon, ils vont mourir ou pas? Elle résiste, hein. Lui, je pense qu'il va claquer. Mais même pas. Ça fait combien de fois qu'ils sont en train de ken là? Et après tu... Attends, c'était censé être facile en fait, hein. Allez, alors, il faut les tuer là. Je sais pas combien de fois ils ont butiné, mais à un moment donné, suffit. Les vieux, jusqu'à... On va te vider les bourses, mon petit Victor. Vas-y, Victor! Tape-y fort. J'avoue que je voudrais au moins arriver chez les Plenosas, quoi. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'ils meurent. Oui! Oui! Ah merde, et lui il est pas mouru! J'ai cliqué pour faire crac-crac avec sa femme, croyez que ça va marcher? Mais non, elle est pas morte! Relève-la et fais-lui l'amour quand même, c'est pas grave, entre vivante et morte. À cet âge-là, est-ce qu'on voit la différence? Est-ce qu'il y a vraiment une différence à cet âge-là? Bon, et moi, tu me prends quand, la faucheuse? C'est dur pour convaincre. Quoi? C'est dur pour convaincre d'épargner Lily? Ah merde! Ça a pas marché. Et lui, il peut pas faire crac-crac! Il est plus fatigué, mais c'est nawak! Vas-y, tu vas courir, hein, grand. Je te le dis, moi. Cours! Et tu cours! Tu te raccroches pas à la vie, tu vas crever toi aussi. Pas la peine de mentir. Tu vas finir par terre, comme ta vieille femme par terre. Je sais, j'ai déjà dit la rime. Pff, mais c'est nul. Il peut pas mourir. Maintenant, il a plus sa femme. Ils étaient censés mourir en même temps. Comment on fait? Faire une amie. Mais May, c'était pas une amie. Vous allez regarder un film de cul ensemble, là. Ça va les émoustiller, puis bon, baise. Ils sont tristes. C'est chiant. Eh. L'amour monte quand même, hein. Tu meurs quand, Victor? J'en peux plus. Il est le mec, il vient de perdre sa femme, et il se laisse quand même draguer. Ça me flingue. Et ils draguent aussi, hein. Attention, hein. Mais ils ont aucune morale, hein. Ils ont pas de principe, hein. Eh, c'est pire que The Weshden, hein. Une petite tombe de plus. Oh, il est covidé. Victor, il est covidé, va mourir. Au pire, tu sais, mec, si on n'arrive pas à te tuer d'épuisement, on te tue de faim. Parce que tu t'es dit, depuis quand j'ai pas eu de jeunette aussi sexy assise sur mon lit. Eh, la coquine. Elle est quand même triste, donc elle peut pas faire tout ce qu'elle veut en drague, mais... Ah si, embrasser les mains. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Victor,
Tiens-moi fort et vas-y, vas-y plus fort, c'est tellement beau quand tu es en plein effort, oh mon petit Victor. Vite. Ah, il faut vite s'en remettre, hein. Ah là là, il en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Il a envie de toi. Tu vas donc lui proposer de le baiser. Mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire! Oh, t'as vu comment t'es gaulé, Jacqueline? Premier baiser, et on va vite. Et quand tu seras enfin dans mon lit, je t'épuiserai jusqu'à mardi. Voilà! Et on va enchaîner les crac-crac! C'est pas tourner les serviettes, c'est et on va enchaîner les craques craques, ta ta ta, jusqu'à temps que tu ton dos craque, ta ta ta, et que la je viens te chercher, que tu sois par terre à web, ils vont faire crac crac. Ah bah dis donc, ça c'était de la bonne. Tu vas pas dormir non, ni manger. Crois-moi mon vieux, il a trop d'émotions ce mec-là, il vient de perdre sa femme, et mais il baisse. J'en peux plus. C'est la relation pansement, bon c'est la relation cercueil, moi je dirais plutôt. Parce que elle, Maze, elle a toute la vie devant elle encore pour. Donc, comme ça, si elle arrive à l'épuiser, lui, il fait plus trop l'affaire. Hein. Mais il est même pas épuisé! Se plaindre d'une activité fatigante. Maze! Oui, mais attends, elle a pas fini, Maze. Elle a encore besoin de t'élimer un petit peu le sgeg. Oh là là, je suis vulgaire, excusez-moi pour mes mots. Bon, Maze, ça suffit là. Arrête de te laver les mains pour rien. Je sais que ça doit, il doit pas être ragoûtant, mais quand même. C'est bon ou c'est pas bon là? On le tue ou on le tue pas? On s'en fout en fait, on va prendre des congés. Excusez-moi, je suis en deuil. Et je couche avec ma nouvelle meuf. Mais en fait, regardez, c'est n'importe quoi, dès qu'il dort 5 minutes, il se repose en fait. Attendez, je vais mettre un placard. Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre moi. On va mettre des placards. Peut-être que s'il va pas dans le lit pour dormir, il sera pas fatigué. Enfin, il se reposera pas en fait. Parce que il est bugué. Non, tu vas pas manger. Mais qu'est-ce que quoi? Allez, vous allez même pas dans le lit. Allez, mais tout va bien. C'est juste du sask. Bon, ça y est, là, il est fatigué. Oh! Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, il meurt. Va dormir, ma belle. T'as besoin de te reposer. Ça y est. Eh ben c'est ça, il fallait pas qu'il soit dans un lit. Si vous voulez tuer les vieux, faut pas... Les mecs, en tout cas, ils se reposent, hein, ils dorment après. Ah là 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 là, enfin! Il a quand même fallu je ne sais combien de parties de... Hein, pour que enfin il succombe, hein, parce que là, c'était devenu problématique. Ça nous fait 6 victimes pour l'instant. On va dépasser les 300 000, hein, parce qu'en revendant tout ce qu'il y a dans l'appartement, on a 280. Tu crois vraiment qu'on va payer les factures, gars? On se réveille, on prend le petit déj et on se casse. Est-ce que Nancy... Nancy! Viens, on va inviter Nancy. Tu vas prendre ton petit déj et tu vires. Nancy! Plus pareil, on pourra la tuer facilement avec du crac-crac. On peut lui dire là, ouais, non mais... Nancy, je suis triste, tu sais, le couple chez qui j'avais ménagé qui était adorable. Ils sont morts, tous les deux! Dans un horrible accident vasculaire. Oh, elle est mignonne, elle fait la vaisselle. Ça sert à rien, Nancy. Alors, on va pas te donner la clé de l'appartement, mais... Oui, on peut rejoindre son foyer, c'est génial. Donc, on va la draguer un petit peu quand même. On vide l'appart entièrement, parce que... On s'en fout de ce qu'il y a dans cet appartement, c'est pas à nous, quoi. Nous, on leur a juste fait un beau petit gâteau d'anniversaire, regarde. Il a à peine été entamé. Allez discuter ici. Voilà, dehors de l'appart. Et je rase tout, 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 tout. Je rase tout, 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 tout. 352 000, c'est pas... Si, ça va, 70 000 simflouze. Écoutez, c'est bon, ça. Bon, bah, tu m'accueilles chez toi, en fait, parce que, tu vois, je suis triste. Et puis, j'ai plus de maison. Oui! Notre cagnotte est à 438 000. Prochaine cible, donc les Plénosas.